Ok. Alors, les caractères masqués, je vais les afficher. Menu texte, afficher les caractères masqués. Est-ce que vous voyez des paragraphes vides? Des balises toutes seules, sans texte avant, donc des paragraphes vides. Donc moi j'en vois, je vais donc faire édition, rechercher, remplacer. Et vous vous souvenez qu'on avait été indiqué la requête ici, dans le menu de rechercher, remplacer. Donc édition, rechercher, remplacer. Et dans la liste de requêtes, j'avais été enregistré ça. Et je fais donc tout remplacer. Voilà, encore une fois. Jusqu'à ce qu'il indique zéro modification. Et voilà, toutes les paragraphes ont été remplacés, les paragraphes vides. Je vois de l'espace entre les paragraphes, c'est ce qui est indiqué dans le style corps du texte. C'est l'espace que j'avais demandé. Donc ce que je viens de faire ici, vous n'avez pas besoin de le faire si vous ne voyez pas des paragraphes vides. Ça, c'est juste le nettoyage du texte. OK. Alors, comme nettoyage du texte, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, notamment en ce qui concerne les deux points. Alors, voyons un peu ici, les deux points. On va créer le problème si vous ne voyez pas qu'en début de ligne, on a deux points qui existent. Alors, je vous montre, hein. Je me mets là sur une ligne. Je tape deux points. Voilà. OK. Alors je teste un peu. OK. Vous voyez ce qui se passe? On a deux points en début de ligne. Normalement, avant les deux points, on met un espace. Bah, alors testez, vous allez voir, hein. Vous testez, vous mettez espace deux points. Et puis un espace après, évidemment. Vous ajoutez des lettres. Et vous allez peut-être créer le problème que les deux points se retrouvent en début de ligne suivante. C'est évidemment quelque chose d'ennuyeux et on va essayer que ça n'arrive pas. Comme ça, par exemple, voilà. Voilà. Donc pas d'inquiétude pour ce qui est de la balise dièse qui apparaît là, ça veut dire qu'il y a une ligne. C'est un peu l'équivalent d'une balise de fin de paragraphe en fait. Donc c'est tout à fait normal. Ok, donc on a créé le problème puisqu'on ne l'a pas trouvé dans notre texte. Une ligne qui commençait par deux points, mais techniquement ça arrive, ça peut arriver sur tout un document. Et donc c'est quelque chose qu'il faut régler en allant dans Édition, Rechercher, Remplacer. Édition, rechercher, remplacer. Et en recherchant espace deux points et en le remplaçant par un espace insécable qu'on insère avec le petit gizmo ici. Espace, espace insécable. D'accord? Donc vous recherchez un espace normal suivi de deux points et vous le remplacez par un espace insécable que vous insérez par le petit gizmo ici, espace, espace insécable. Et deux points, évidemment. Et on peut chercher ça dans le document. Voilà. Chercher dans document. Et vous faites tout remplacer. Et vous avez donc, il en a trouvé trois. OK. Et donc, ça ne pourra jamais arriver que deux points se retrouvent en début de ligne. Pourquoi? Ben parce que maintenant, les deux points, comme on le voit ici, ils sont précédés non pas d'un espace normal, mais d'un espace insécable qui ne peut pas être coupé. Donc,
soit les deux points et le mot ici restent sur la même ligne, soit ils passent à la ligne suivante ensemble, mais ils ne peuvent pas être séparés d'une ligne à l'autre. Et ça, c'est évidemment très intéressant, les espaces insécables. C'est une manière d'automatiser la mise en page et d'éviter les problèmes.